Bonjour, je suis Suleiman Sack, professeur en physiologie végétale à Agrocampus Ouest. Ici, je vais vous parler de façon succincte des bases physiologiques de l'adaptation des végétaux au milieu urbain, avec la question du choix stratégique des végétaux pour ce milieu. Cette intervention est déclinée en trois parties. Une introduction rapide sur l'interaction de la plante avec son environnement, effet de certaines contraintes abiotiques du milieu urbain sur la plante, en prenant la photosynthèse comme exemple de processus physiologique. Conclusion perspective sur certaines démarches pour définir le choix de végétaux. La nature en ville est représentée essentiellement par l'ensemble des espaces végétalisés urbains et les espèces qui y trouvent refuge. Ces espaces végétalisés varient de quelques plantes isolées à des structures très complexes telles que les parcs, friches, espaces pour l'agriculture urbaine, boisonnements et autres. Les bénéfices attribués aux espaces végétalisés urbains, appelés services écosystémiques, sont très divers et se déclinent en lieux de loisirs et d'agréments, dispositifs de régulation du climat, îlots de fraîcheur par exemple, espaces pour la production alimentaire, agriculture urbaine, ou encore en refuge pour la biodiversité. Ces éléments constituent un terrain original de recherche pour appréhender les réponses adaptatives des végétaux aux contraintes parfois spécifiques de l'écosystème urbain. En tant qu'organisme vivant, la plante perçoit les différents facteurs de son environnement, abiotique et biotique, pour ajuster sa croissance et son développement et ainsi assurer la survie de l'espèce. Cette perception s'effectue aussi bien par la partie aérienne, pour les facteurs tels que la lumière, la température, que par la partie racinaire, pour les facteurs de type déficit hydrique, température, carence minérale, et implique les échanges de signaux via les tissus conducteurs, phloem et xylème. Cette situation a conduit la plante à évaluer continuellement les fluctuations de son environnement et de mettre en place un dispositif mécaniste très performant basé sur la perception de la contrainte grâce à des récepteurs spécifiques, la transduction du signal perçu avec un rôle par exemple du calcium et des hormones comme l'acide abscisique et in fine la mise en place de la réponse adaptative. Comme il est indiqué dans cette diapositive, le milieu urbain est un écosystème qui se démarque par un ensemble de contraintes environnementales telles que fluctuations brusques de l'intensité lumineuse due à l'ombre portée des bâtiments, mauvaise qualité du sol, température plus élevée et une différence de température diurne-nocturne très faible, déficit hydrique plus marqué, voire chronique. Sans oublier d'autres facteurs tels que les différentes sources de pollution. Ces facteurs peuvent affecter individuellement ce qui est marqué en trait bleu et où en interaction, ce qui est désigné en trait orange, la performance physiologique de la plante et par conséquent ses services écosystémiques attendus. Le végétal utilise la lumière comme source d'énergie grâce à la photosynthèse et l'implication des pigments appelés la chlorophylle, mais également comme source d'information signal, on parle de photomorphogénèse, reflétant le rôle de photorécepteur. La relation entre la plante et la lumière est complexe car les très fortes intensités de la lumière qui peuvent se produire aisément dans le milieu urbain suite à la réflexion de la lumière incidente par certains bâtiments peuvent conduire dans certains cas à une inhibition de la photosynthèse communément appelée la photoinhibition et voire brûlure des feuilles. En revanche, une faible intensité de la lumière met la plante en déficit photosynthétique et donc à une réduction de sa croissance et de son développement. De façon importante, des études relativement récentes ont montré qu'une faible intensité lumineuse ou un faible ratio rouge clair sur rouge sombre, changement de la qualité de la lumière, réduit les mécanismes de défense de la plante contre les attaques d'agents pathogènes, ce qui va davantage fragiliser la survie de la plante dans ce milieu. L'effet de l'ombrage sur la photosynthèse dépendrait du niveau d'intensité lumineuse et de la température, car l'ombrage pourrait soit limiter la photosynthèse en réduisant le rayonnement intercepté par la plante, soit améliorer la photosynthèse en limitant la photoinhibition. Cependant, les quelques résultats disponibles sur les effets de fluctuations brusques d'intensité lumineuse indiquent que celles-ci peuvent affecter
les cinétiques instantanées de photosynthèse et de conductance pneumatique, de façon variable selon le potentiel hydrique foliaire. Et ces fluctuations peuvent également entraîner à plus long terme, cette fois-ci, une adaptation morphologique des feuilles et des effets sur le métabolisme carboné. Maintenant, quant au déficit hydrique, ce dernier s'installe quand la quantité d'eau émise par la transpiration foliaire dépasse la quantité d'eau absorbée par le système racinaire. Un tel déficit peut être faible, modéré ou fort. Dans le cas du milieu urbain, le déficit hydrique peut résulter des effets du changement climatique, précipitations faibles, fortes températures, mais également des actions anthropiques telles que l'artificialisation et imperméabilisation des sols, forte urbanisation et mauvaise infiltration d'eau. Chez la plante, le stress hydrique déclenche des réponses rapides, fermeture de stomate, qui conduisent à l'inhibition de la photosynthèse, et des réponses à long terme impliquant des modifications morphologiques, notamment la réduction de la partie aérienne au profit de la partie racinaire. Ces situations contribuent davantage à la réduction de la photosynthèse. De plus, des changements physiologiques et moléculaires sont élaborés pour réduire les effets néfastes d'une telle contrainte au niveau cellulaire. Ces changements impliquent un détournement de carbone vers les mécanismes de défense au détriment de la production de la biomasse. La température est un des facteurs importants pour le développement et la croissance de la plante, dont l'effet dépend des autres facteurs environnementaux, notamment l'humidité relative de l'air et la lumière. La plante dispose des thermosenseurs lui permettant de percevoir les variations journalières et saisonnières de la température et ainsi ajuster son développement. Le milieu urbain est caractérisé par des températures élevées qui seraient liées au moins en partie à des facteurs anthropiques intégrant l'architecture et la condensation des bâtiments, les matériaux choisis absorbant ou réfléchissant de la lumière et ou de la température. Le milieu urbain est un écosystème où les écarts de température entre la phase nocturne et la phase diurne seraient faibles. Dans ce contexte, ces modifications de température pourront affecter la capacité photosynthétique et certains processus clés du développement de la plante, tels que la germination, la date de floraison, la ramification, la stérilité de la fleur. La figure montre rapidement que les basses et les fortes températures sont défavorables à la photosynthèse. L'écosystème urbain est un milieu avec des contraintes spécifiques, dont le mode d'action, au moins pour certains, reste encore non élucidé. Une première stratégie à privilégier serait d'utiliser des communautés de plantes avec des traits physiologiques complémentaires, des tolérances variées aux différentes contraintes, avec des mécanismes complémentaires d'assimilation de carbone, tels qu'un mélange des plantes de type C3, C4, CAM, et caractériser leur adaptabilité à cet écosystème et leur service écosystémique attendu. La réponse adaptative de la plante à l'effet combiné de plusieurs contraintes mérite d'être étudiée dans le contexte du milieu urbain. En effet, les mécanismes déployés par la plante en réponse à des contraintes individuelles diffèrent de se mobiliser en situation de multi-contraintes. Ces situations nous obligent à concevoir une stratégie de sélection de plantes basée non seulement sur leur réponse à un seul stress, mais au multistress, qu'ils soient abiotiques et biotiques, en prenant en compte la nature des services écosystémiques rendus.